Mouraï Verabotaï, nous abordons à présent deux parachiot, Mehoubarot, à savoir les deux dernières d'ailleurs du livre de Vaïkra, qu'on appelle Torah de Kohanim, la loi des Kohanim, en l'occurrence les parachiot de Behar et Behukotai. Bezrat Hashem, et nous sommes, rappelons-le, le lendemain de Lagba Omer. Dédié à la mémoire du Tana Elaki, Rabbi Shimon Bar Yochai, Bivakasha. Et l'Éternel s'adressa à Moïse au mont Sinaï en ces termes. Adresse-toi aux enfants d'Israël et tu leur déclareras. Lorsque vous vous rendrez dans le pays des Rets Israël, que je vous donne, Shabbat. Et la terre fera, devinez qu'est-ce qu'elle va faire la terre? Elle ne fait pas Ta'anit, elle ne fait pas Sukkot, elle ne fait pas Pessah, qu'est-ce qu'elle va faire la terre? Elle va faire Shabbat. Et Shabbat en l'honneur de qui? En l'honneur de Hachem. Extraordinaire, on a vu un truc pareil. Hein? Qu'on fasse nous Shabbat, moi je comprends très bien, n'est-ce pas? Étant donné que quoi? Que nous devons témoigner, le Shabbat c'est quoi en d'autres termes? Nous devons témoigner qu'Akadosh Baruch Hu a d'une part créé le monde, et d'autre part un second signe, c'est que c'est Zecher Yetziat Mitzrayim, comme on le déclare dans les Kiddush du vendredi soir. Nachon, Zecher Yetziat Mitzrayim, ou alors Zikaron le Maase Bereshit. Et voilà maintenant que du haut du mont Sinaï, donc, et c'est étrange parce que on va rappeler que cette mitzvah du Shabbat terrestre, du Shabbat de la terre, il s'agit que des Eretz Israël, bien entendu. Hein? Il n'y a pas de Shabbat en dehors des Eretz Israël. Lorsque vous vous rendrez du mont du Haut-Sinaï, c'est une des pratiquement rares points où ici une mitzvah qui s'appelle le Shabbat de la terre. En l'occurrence, elle a un autre nom, c'est la Shemitah, c'est-à-dire le fait que tous les 7 ans, à la 7e année, on doit cesser de travailler la terre. Donc la terre va faire Shabbat. Et on précise ici que cette loi, aussi bien dans son principe général que dans ses détails, a été enseignée à Moshe Rabbeinu en haut du mont Sinaï. C'est quand même glorieux de rappeler cela. Toute la Torah a été donnée, oui ou non, au mont Sinaï? Même si elle va être déclamée plus tard, au fil des 40 ans que les enfants d'Israël vont vivre dans le désert, Nachon, mais au niveau de Moshe Rabbeinu, toute la Torah a été donnée, il va ensuite l'écrire d'une certaine manière, sous la conduite divine et tout, et mettre de côté, au bout de la 40e année, un Sefer Torah. Mais là, on voit qu'il y a un lien étroit entre le fait de donner la Torah au Mont Sinaï, avec cette loi particulière qui s'appelle le Shabbat la Hachem. C'est... Continue, on va voir ce qu'on ajoute. Durant 6 années, tu vas ensemencer ton champ. Et durant 6 années, tu vas cercler ta vigne. Et tu réuniras ta récolte. Oui. Cependant, à la 7e année, ce sera un Shabbat doublé pour la terre. Shabbat l'Adonai. Shabbat, et on le répète une autre fois, Shabbat pour Dieu. Ah ouais, ton champ, tu ne l'ensemenceras pas. Et tu ne profiteras pas des vignes, des raisins de ta vigne. Tov. Alors, l'idée essentielle dans cette paracha de Béhar, c'est effectivement, et cette paracha va ensuite enseigner un certain nombre de lois qui sont liées à la Shemitah, étant donné que la société antique était essentiellement agricole. Donc l'essentiel du labeur de l'homme était lié au travail de la terre, ce qui paraît tout à fait évident, parce que même Adam Arishon, qui était dans le Gan Eden, est rentré dedans, les Ovda ou le Shomra. Quand on dit qu'il devait travailler et protéger le Gan Eden,
Le mot ovda, ce n'est pas un travail au sens où on l'entend, bien sûr. Hein? Il n'a pas sarclé, il n'a pas ensemencé, il est rentré dans un jardin où déjà les fruits étaient là, etc. Le ovda, ça veut dire de sentir que la vie en tant que telle, avant le péché d'Adam et de Chava, que la vie en tant que telle était un service divin. Un service divin, une proximité avec Hachem. Finalement, le Shabbat, c'est la proximité que nous ressentons avec Akadosh Baruch Hu, étant donné qu'on a l'esprit de loin beaucoup plus libéré que pendant les 6 jours de la semaine. Les 6 jours de la semaine, nous sommes tous les uns et les autres astreints à des besognes, astreints à des relations au niveau social, au niveau politique, au niveau économique, etc. Et le Shabbat, c'est effectivement ce moment où la Neshama respire, où l'âme respire, avec le corps d'ailleurs, puisque le Shabbat, c'est la conjugaison du repos du corps et de la félicité de la Neshama, de l'âme, n'est-ce pas? Ichbod Shabbat, Vicharata le Shabbat, Oneg, ça doit être un plaisir et un désir et un respect. Le Kavod et le Oneg, c'est justement l'union pacifique qu'il y a et amoureuse qu'il y a entre la Neshama et le corps. Et seul le Shabbat est en mesure de pouvoir exprimer cette idée-là, étant donné que notre libération de tout labeur nous permet de comprendre comment a été la création du monde. C'est étant donné que pendant le Shabbat, je ne fous absolument rien, c'est le moment précis où je ne fais rien que je me rends compte que le bon Dieu, il a fait tout. Il a tout fait, la création du monde. Shabbat, je me rappelle que Dieu a créé le monde. D'accord? Alors que moi, je me rends compte effectivement que dans cette accalmie qui est la mienne, etc., je réfléchis à ce fait qu'Hachem a investi tant et tant et tant de milliards et de milliards d'énergie pour ce monde dont il veut qu'il soit le champ de mon bonheur et de ma félicité. Or, voici qu'ici, effectivement, le Shabbat va prendre une dimension au-delà de moi, et cette dimension, c'est la dimension de la nature, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que la Shemitah, le Shabbat de la terre, qui est réservé et qui est fait en hommage d'Hachem, Shabbat l'Hachem, on l'a vu à 2 reprises, ok? C'est quelque chose d'absolument éblouissant. Tous les 7 ans, nous devons ressentir, pendant une année entière, 365 jours, que le Teva, la nature, puisque la terre ici, c'est le symbole de la nature, va retrouver partiellement, mais c'est pas mal déjà, une fois tous les 7 ans. D'ailleurs, le chiffre 7 ici est évocateur, n'est-ce pas? Nous savons que le chiffre 7, c'est un chiffre qui apparemment se retrouve partout dans les 7 lumières de la menorah, dans les 7 jours de la semaine, et là ici aussi, au bout de 7 ans, hein, la 7e année. 7 fois 7 ans, on arrive à 49 ans, c'est quoi? C'est le Yovel, le jubilé, et c'est le moment de la libération de tous ceux qui sont astreints à un travail forcé quelque part. Nachon, c'est le Yovel. Nous sommes en ce moment, entre Pessah et Shavuot aussi, en train de célébrer le chiffre 7 quelque part, hein? Puisqu'on va compter 7 fois 7 semaines, Sheva Shabbatot Spero, jusqu'à la 50e, au 50e jour, qui effectivement sera l'apothéose de tout cela, la fête de Shavuot. Tout se passe comme si entre Pessah et Shavuot, et les jours de l'Omer sont un immense Holamoed, n'est-ce pas? C'est comme entre le premier jour et le 7e jour de Pessah, il y a Holamoed. Mais ils sont proches. Tandis que entre Pessah, le premier jour de Pessah, qui est Yom Tov, et Shavuot devient pour ainsi dire l'apothéose de Pessah. La C'est clôture de le lien à Pessah. la clôture. Tout le Homer, ce compte que nous faisons et des semaines et des jours, fait que nous devons avoir lentement et progressivement une philosophie de l'existence dans le temps, dans le zman. La vie pour l'individu, il a besoin de négocier, pas de négocier, de ressentir une espèce d'éternité dans le temps, même si ce temps il est provisoire, en le comptant lui-même.
faut que l'homme soit en mesure de dominer les jours, les semaines, et non pas que le temps le domine. Vous avez compris? Très souvent, les gens ils disent time is money, ou je n'ai pas le, Temps. j'ai pas le temps. On est précipité, on est trop lent, on va trop vite, etc. Donc, on n'a aucune Compris. Emprise sur ce temps qui nous domine finalement. Je n'ai pas le temps, je dois partir maintenant. Attention, tout ça. Rappelle-toi la semaine prochaine à telle heure, il y a ceci, il y a cela, les rencontres, les visites, les rendez-vous, et que vechen vechen. D'une certaine manière, le conte de l'Aubert entre Pessah, qui est Zeman Herut et nous de notre libération, doit conduire, qu'on le veuille ou non, progressivement. Ce n'est pas du jour au lendemain où on acquiert son indépendance ou son Yom HaAtzmaout, mais on doit acquérir ça pour arriver à celui où le rendez-vous par excellence, c'est celui du Matan Torah de Shavuot, de la rencontre et du Moed par excellence, si vous voulez, qui s'appelle Shavuot. D'accord? En vérité, il ne s'appelle pas Shavuot, nous on l'appelle maintenant Shavuot, mais dans la Torah, il n'y a aucun nom. Il n'y a aucun nom sur cette fête de Shavuot, on ne sait pas comment elle s'appelle. N'est-ce pas? On dit Tisperu Hamishim Yom, et puis c'est tout. Et on ne sait même pas dans la Torah s'il va y avoir le don de la Torah ou pas. Et donc, tout se passe comme si, et là je me réfère, si vous voulez, pour entamer une analyse un peu de cette notion du Zman, du temps, qui est vraiment le pouls, comme le cœur il bat. Vous voyez, le cœur, il a un rythme, nachon. Et il est le principe même de la vie dans le corps humain, même si on ne le sent pas toujours, mais sachez qu'il gouverne bien les choses, Baruch HaShem, puisque c'est lui qui nous envoie l'énergie, le dam, le sang, qui a dam, ou un nefesh et tout. Et qu'il est là avec sa chaleur et avec son énergie, et avec tout ce qu'il contient, et bien d'apporter depuis la tête aux pieds, depuis le début de l'année à la fin de l'année, depuis la tête, depuis l'esprit, depuis le cerveau, depuis la philosophie, depuis tout ce qui est intellectuel, spirituel, moral, etc. Il passe par le cœur et tout, jusqu'aux pieds, jusqu'aux mains, jusqu'à l'exécution des choses. C'est un véritable ouvrier du Naaseh Venishma, le cœur, la chrone et le sang et tout. Naaseh, nous ferons et nous comprendrons. Et l'homme doit faire avec ses mains et ses pieds, et il doit comprendre avec son esprit. Mais là, ce qu'on nous demande ici, c'est incroyable, encore une fois. C'est qu'on doit associer à la philosophie du temps et à l'existence et à la louange que on doit adresser à Kadosh Baruch Hu, il y a un partenaire qu'il ne faut pas négliger, c'est qui? C'est la terre, c'est la Shemitah. En d'autres mots, la nature. Cette nature-là, qui est à l'origine de la création du monde, de Adam et de Hava, faisait partie intégrale de quoi? De l'être humain. Aussi bien l'esprit par Adam, la sensibilité par Hava, que la nature par le serpent lui-même aussi, hein, et les différents dialogues qui se sont instaurés là-bas, eh bien, font partie de l'intégralité, de la totalité du genre humain, de l'esprit humain, du corps humain, de l'âme humaine, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il y a une symbiose, une unité parfaite dans les différents degrés qu'il y a entre Adam, Chava, et même le Nahash, Yaharu, Mikol, Abe, qui était suprême au-dessus de tout ce qu'on appelle la bestialité, mais ce n'est pas la bestialité au sens français du terme. La bestialité, ça veut dire l'énergie souterraine comme ça, qui doit compter aussi dans notre vie. Mais et après le péché, tout se passe comme si il y a un rejet de ce que représentait l'homme dans son apothéose, d'Adam, Chava et du Nahash, puisqu'ils vont recevoir des. J'ose pas dire le mot malédiction, mais enfin, disons des restrictions dans leur vie, n'est-ce pas? Dans leur vie, et brusquement, on va voir que là-bas aussi, Arura Adama Ba'avudcha, la terre sera également rejetée et maudite à cause de toi, d'accord? Ça veut dire que la nature qui jouissait du temps d'Adam et de Chava, d'une espèce d'indépendance, elle avait un libre arbitre, pour ainsi dire. On l'a rappelé, je crois, souvent, que la nature du temps d'Adam, dans les origines de la création, était libre quelque part, puisqu'on a vu que la lune s'est plainte. Oui ou non? Elle a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, c'est vrai, deux rois ne peuvent pas gouverner le monde, tu vas te diminuer toi. Oh, qu'est-ce que j'ai dit tout ça? J'ai dit une chose bien. Oui, c'est vrai, ma fille, tu as dit une chose bien, mais ça va servir peut-être plus tard.
Et moi, étant donné que j'étais contraint de te diminuer, tous les Rosh Chodesh, on va m'apporter un Se'ir Hatat Lachem. C'est moi, en mon nom, que vous allez offrir Kivyachol, un Se'ir Hatat, n'est-ce pas? Un bélier d'expiation, d'accord? Mais ce soleil et cette lune, ce roi et cette reine, si vous voulez, on l'appelle d'ailleurs la reine du ciel, la lune, on l'appelle ainsi, vont avoir une mission incroyable, puisque là-bas, dans la création des ailes, elle a dit, Vayou les Moadim, les Ototulshanim et les Yamim, Nachon, et aussi bien le roi que la reine, le soleil et la lune, vont avoir entre autres une mission importante, c'est quoi? C'est de mesurer le temps. Nachon? C'est de mesurer. Ça va être l'horloge cosmique. Aussi bien la lune que tu bénis tous les mois, Birkat Alevana, que le soleil qui lui est béni une fois tous les 28 ans, quand il retourne à sa source temporaire initiale, Nachon, ce qu'on appelle ça Birkat Ahama, ils sont là, cette nature-là, un peu comme ça, lentement et tout, mais ils te mesurent le temps. Dont Adam n'avait pas besoin avant le péché, ni Chava, ils n'avaient pas besoin de tout cela, si vous voulez, pour dominer ce qu'on appelle la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie? C'est le rythme. Et or donc, je me réfère avec notre paracha de Béhar, ici, qui commence à me parler d'un Shabbat de la terre, que la terre doit se reposer quelque part, quelque part, quelque part, cette mitzvah qui a été donnée au mont Sinaï, et pas n'importe où. Quelque part, c'est là peut-être un indice qui va nous expliquer que par le biais de la Shemitah et du repos de la terre, la nature va retrouver quelque part sa félicité originelle et originale. Les deux. Nakhon, elle va retrouver, tu te rends compte, la nature va retrouver. Et elle va être le compagnon inséparable. En tant qu'espace, puisqu'elle exprime l'espace, cette nature et tout, l'environnement de l'être humain, elle va me permettre d'entrer et d'apprécier le temps, encore maintenant, un temps un peu plus plaigné, plus grand, etc. D'où l'histoire du compte des 7 années de la Shemitah, et de 7 fois 7 ans, et 2 fois, et au bout de 7 fois 7 ans, je fais le jubilé. Et là, waouh! Elle va m'apporter ce compte, la libération de qui? Pas seulement de moi, mais de toutes les couches sociales qui sont les plus défavorisées, en l'occurrence les avadim, c'est-à-dire les ouvriers. Rabotaï, ne croyez pas que la Torah a inventé l'esclavage. Hasvei shalom. Parce que la notion de avadim dans la Torah, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des ouvriers. Un ouvrier aujourd'hui, ce n'est pas un esclave, mais il perd un peu de sa liberté, puisqu'il est contraint de se lever à telle heure et de travailler tant d'heures et d'avoir un contrat de tant de jours et de tant d'années, etc., etc. Et d'exécuter le travail tel que le patron le souhaite et l'exige. Parfois, il faut qu'il fasse son métier dans le secret, dans le calme. Nahon. Parfois, il n'a pas le droit de se déplacer là ou là ou là pour pouvoir exécuter le travail comme il convient. C'est une forme, entre guillemets, d'esclavage, ça aussi, si vous voulez. Mais c'est exactement ce dont parle la Torah en disant le mot Aéved. Ce n'est pas les esclaves que Dieu préserve qu'il y avait en Afrique et qui ont été vendus comme je ne sais pas quoi de la chair là-bas chez les autres, hein, outre-Atlantique, etc. Certainement pas. Mais même dans ces conditions-là, la Torah aspire qu'à un certain moment dans le temps, l'ouvrier esclave de la Torah doit récupérer obligatoirement sa liberté, c'est-à-dire de jouir du temps qui est le sien maintenant. Si tu ne jouis pas du temps, tu n'as pas ta liberté. Voilà pourquoi, en me référant à la paracha précédente, dont on n'a pas parlé la semaine passée, qui est la paracha de Hémor. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette paracha d'Hémor? Au début, comme à la fin, il est question là-bas de la notion de sainteté de Kedusha. Au début, dans la paracha de Hémor, il est question de l'apothéose d'un homme qui est le plus proche d'Hachem, à savoir le Kohen, la vie des Kohanim. Le Kohen, les Kohanim simples, le Kohen Gadol, le grand prêtre et tout. Et là, une série de lois qui expriment quelle est la condition de vie de cet homme.
Et je dis vraiment la condition de vie, et je souligne le mot vie, parce que le Kohen doit sentir qu'il est dans le monde de la vie au maximum plus que nous, quelque part, parce qu'il est notre représentant. Voilà pourquoi on doit l'éloigner d'un certain nombre de choses qu'on appelle la Touma'a. Un Kohen ne peut pas se rendre impur, sinon il ne peut pas exercer sa fonction dans le Saint des Saints, dans le Beth Amikdash, qui est le symbole quelque part d'un musée du Olam Haba. J'appelle le Beth Amikdash le musée, mais un musée vivant, bien entendu, du Olam Haba. C'est le Vayhi Bayom HaShemini, il y a une paracha là-dessus, le huitième jour. On dépasse le septième jour, on aboutit à l'apothéose du Shabbat, qui est le huitième jour. Et donc le Kohen, le prêtre, chez nous, en Israël, c'est le symbole de celui qui s'éloigne, qui n'a pas de contact avec la Touma'a, et qui a le contact qu'avec la Tahara, c'est-à-dire avec la vie. Avec la vie. Il doit faire l'expérience dans son existence de ne pas s'approcher de tout ce qui est, je dirais, le contraire de la vie. La mort ressentie comme la fin de toute chose, alors qu'en vérité pour lui, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Le Kohen, c'est le personnage qu'on va voir lorsqu'on a des problèmes dans la vie et pas bar minan dans la mort. Voilà pourquoi il est loin de se rendre impur au niveau de l'enefesh loitamabeamaru. Et concernant le Kohen, suivent ensuite des mitzvot concernant sa vie. Or, la vie du couple, du Kohen, avec qui il doit se marier, comment il doit se marier et tout. Alors, on voit effectivement que la sainteté, la kedusha, ça n'est pas le fait qu'un homme vit il est reclus dans un monastère et qu'il s'éloigne de la vie à propos parler, il ne se marie pas, il n'a pas des enfants, il est enfermé, comment on appelle ça chez les hindous, là, nirvana, etc. Et le vaudou et tous ces trucs-là, avec comment dirais-je, des occupations où il se coupe comme ça les cheveux, il a le crâne rasé, il a ceci, il a cela. Nakhon, ok? Et qui ne se fait pas des sritot et des blessures dans le visage et tout, comme si la vie ne vaut rien du tout, pas du tout, il n'a pas le droit, etc. Donc, la notion de la Kedusha, elle est représentée chez tout l'âme Israël, chez tous les hommes aussi, mais chez nous, on donne l'exemple, on exprime les choses à travers nos mitzvot, bien sûr, hein? Et chez le Kohen, ça atteint une certaine apothéose, un certain degré. C'est la Kedoshim Tihyu ki Kadosh Ani Hashem Elohechem. Et donc cette Kedusha, qui est le fait d'arriver à un degré le plus sublime possible de notre existence, et avec notre Neshama, et avec notre corps, pour ainsi dire, eh bien, cette Kedusha, qu'est-ce qu'elle est? Elle te dit pas, ne va pas t'enfermer, ne t'exclut pas du monde que tu considères comme le lieu du mal et du Satan et du Yetzer Hara et tout. Elle te dit non, Ishimo, que chacun doit vivre dans le sein familial, le respect dans la relation entre les parents, entre les enfants, entre les frères, entre les sœurs, etc. Vichabetotaï. Et là-bas, dans la paracha de Kedoshim, il est dit, Lotekalel Heresh, ne maudit pas un sourd. Ne mets pas un obstacle devant un aveugle, etc. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est un principe général de la Torah. Vous voyez comment on peut définir la sainteté? Cette sainteté, elle est loin de ce que d'autres appellent Saint Antoine et Saint Charbeb, d'accord, qu'il y a dans leur calendrier. C'est ça la Kedusha. Donc, au début de la paracha de Hémor, la Kedusha de l'homme, le moment où il atteint un certain degré, eh bien, c'est ça, c'est le Kohen. Et à la fin de la paracha de Hémor, c'est là qu'on apprend, c'est la paracha des Moadim, c'est le temps. Voilà le temps, comment on va le définir? C'est les Moadim. Tu as le temps de Pessah, tu as le temps de Shavuot, tu as des rendez-vous, des rencontres à Shavuot. Tu as Rosh Hashanah, tu as Kippour, tu as Sukkot, Nachon, et tu apprécies le temps dans tous ses goûts. À travers toutes ces saisons, les quatre saisons de Verdi, etc., etc., etc. D'accord? Alors, comment tu vas vivre ce Moed? Comment tu vas? Alors, le temps le plus parfait, on a dit, c'est le Shabbat. Tu fous rien, parce que tu sais que le bon Dieu, il a tout fait, quelque part. D'accord? Parce qu'il a tout fait à Kadosh Baruch Hu. C'est le seul moment que tu peux savoir. Et c'est ce Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Il y a une gratitude vis-à-vis d'Hachem à ce niveau-là incroyable. Mizmor Tov Leodot L'Adonai. Il est temps maintenant de rendre grâce à qui? Et de remercier Hachem.
Tov leodot l'adonav l'zamel le shimcha elul, etc., etc. D'accord. Or donc, ce temps-là, les lois ont fixé dans la Torah, et les lois de la loi orale ont fixé comment on doit les vivre, et comment on doit avoir toutes les facettes de ce temps à travers les mohadim. Mais, au niveau physique, qu'est-ce que c'est que le temps? Tu demandes à n'importe qui. Le temps, eh bien, c'est la durée pendant laquelle un objet, il va aller de là à là. Nachon, c'est-à-dire, on ne peut l'exprimer qu'à travers les distances. À travers les distances. Le temps que je mets pour faire un kilomètre, ou le temps que je fais pour... D'ailleurs, vous savez comment on mesure la shkriat ahama, etc. On dit arba amil, par exemple. Quel est le temps pour faire ceci ou cela? 4 kilomètres. On les mesure à travers les distances. Or, les distances, c'est l'espace. Or, l'espace, c'est la terre. C'est le Shabbat de la terre. C'est la Shemitah. Voilà pourquoi nous avons 3 dimensions, 3 étapes. Au cœur, c'est-à-dire la fin de la paracha des morts, c'est le cœur, c'est le temps avec les mohadim. Comment il peut être ressenti uniquement par l'homme, qui est le Kohen, qui est le symbole de l'homme, début de la paracha des morts, et aussi la terre. Il faut que la terre vive aussi. La terre, c'est l'espace et tout. Il faut qu'elle aussi ressente quelque chose et qu'elle retrouve l'épanouissement qu'elle avait à l'origine de la création. À l'origine de la création. Vous avez dit un jour, Rav, que la terre, elle avait une prière Hofshit. Oui, monsieur. Avant le péché d'Adam. Oui, elle avait. Elle n'a pas voulu, elle a fait la tête à Galilée. Comment tu peux comprendre qu'Hachem dit Arura Adama? Tu vas me dire quelque chose qui n'a pas de Bechira Hofshit? C'est impossible. C'est impossible. Ça veut dire qu'elle avait une Bechira Hofshit. J'ai donné l'exemple de la lune qui s'est exprimée, qui a exprimé son jugement. Et on le sait aussi que la terre. Pourquoi elle avait une espèce de volonté personnelle? Parce que le bon Dieu l'a dit, et toi la terre, tu vas donner des arbres fruits qui donnent des fruits, c'est-à-dire que l'écorce elle-même, elle a un goût. Qu'est-ce qu'elle a dit la terre? Non, 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 je fais des arbres avec des écorces, mais je ne donne que des fruits. Elle a fait des arbres qui donnent des fruits. Elle a fait que des arbres qui donnent des fruits. Vous avez compris? Elle a désobéi. Elle a ses raisons. C'est-à-dire qu'elle veut... donner le fruit à la fin des choses, je garde pour moi les racines et l'écorce et tout. C'est à la fin que je donne. C'est affreux, oui ou non? C'est à la fin d'un certain temps que je donne mes fruits. C'est affreux, c'est tsarat aïn, comme on dit chez nous. Ça veut dire que je garde tout pour moi et je ne donne qu'un peu de mes fruits. Voilà pourquoi nos hachamim disent qu'à la fin des temps de la nature, il arrivera, les hâtis de la veau, que la terre, elle, maintenant, elle va tout donner. Elle va être généreuse. Comment? Hâtida ha'ares setotzi klimilat veglouskaot. Il arrivera ce temps où la terre donnera quoi? Tu te rends compte? Maintenant, pour avoir un costume, toi, ou ton pantalon, ou madame la robe, il faut planter des graines de pichetane, de lin. Il faut prendre du tsemer, de coton, oui. Des animaux. Il faut. Ah, ce doigt, Alia, il faut travailler, sarcler, il faut machin, après faire des piles, il faut un appareil pour ça et tout. Et courir la couturière, et courir à droite, et courir à gauche, et couper, il faut des ciseaux, il faut un tas de... Jusqu'à ce que. T'as compris? Il faut au moins 10 travaux pour obtenir quelque chose. Et elle te dit d'une manière symbolique, il arrivera ce temps où la terre, elle va tout te donner. Elle fera sortir, Madame la Terre, s'il vous plaît, je voudrais, nous sommes des voisins et des compagnons, nous menons une existence ensemble, solidaire. Oui, monsieur Gage, oui, qu'est-ce que souhaitez-vous? Madame, je voudrais un costume, quelle marque? Un costume Daniel Perrin, comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Pierre Cardin. Daniel Echter. Waouh. Quelle couleur, monsieur Gage? Bleu marine. Ah, oui, mais n'oubliez pas la cravate, s'il vous plaît. Ah oui, dans le jardin, la cravate là-bas, elle va sortir. 3 pièces. Tu te rends compte? C'est une image, bien sûr. Ça veut dire que l'homme, pour obtenir gain de cause, il obtiendra facilement, plus facilement que maintenant. Madame la Terre, s'il vous plaît. Oui, monsieur.
Je voudrais un millefeuille et des religieuses avec un Saint Antoine, s'il vous plaît. On dit comme ça, Saint Antoine. Saint Honoré. Saint Honoré. D'accord. Oui, monsieur. Tata. Et il me sort ça. Clé. Gluskaot et clé Milat. Milat, ça veut dire c'est de la soie. C'est l'étoffe la plus noble, pour ainsi dire. Plus veloutée, la plus délicate, la plus belle, la plus colorée, etc. etc. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que là, maintenant, le bonheur, il sera visible. Le bonheur, il sera atteint. Et tu donnes tout ce que tu as. Et le fait de donner, de donner, de donner, fait que ce que le Zohar HaKadosh a sorti d'ailleurs, que jusqu'à présent, nous vivons dans un monde où en général, l'homme commence, il a créé en lui un keli, un réceptacle pour recevoir, recevoir, recevoir. Recevoir. La preuve, tu as faim. La preuve, tu es fatigué. La preuve, la preuve, la preuve. Tu veux recevoir, recevoir, recevoir. Le bon Dieu dit, d'accord. Tu as été Almenat Lekaben, et je voudrais, dit le Zohar, qui a été au nom de Bishmon, tu dois te transformer maintenant en personnage qui donne. Almenat Lehashpia. Tu dois être maintenant à l'image de qui? Qui c'est qui donne? Qui c'est qui donne? Qui c'est qui donne? Mais c'est le bon Dieu. Ce repos que tu as pendant le Shabbat et tout va te permettre de sentir que quoi? Que le bon Dieu lui donne, il donne, il donne, et que toi tu dois arriver. Asher bara Elohim la'asot. Vous avez compris? Et tout ceci ne peut se comprendre que si tu as la philosophie de toi. Tu dois maintenant donner, 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 donner. Pas donner jusqu'à ce que tu deviennes, pas du tout. Il y a des mesures du don. La Torah, elle a prévu, oui ou non, ce qu'il faut donner ou pas donner. Il faut donner, quel que soit l'histoire. Même le pauvre qui reçoit, il est dit dans la halakha que lui-même, il doit donner. D'accord ? À sa mesure, à sa mesure. Il doit donner. Voilà pourquoi, en plein milieu de la fête de Shavuot, et aujourd'hui, dans la paracha de Shemitah, à la suite des psukim qu'on n'a pas encore lus, sont évoqués, c'est étrange, et là-bas dans la paracha des mois, je vous ai dit, dans Shavuot, on te parle de Pessah, c'est la libération d'Égypte, etc. Tu manges le pain, pas le chametz, pas ceci, pas Shavuot, bon, et au 50e jour, voilà, tu dois compter, peut-être au 50e jour, c'est vrai, là, qu'est-ce qu'il faut faire? En plein milieu de Shavuot, on est en train de me raconter, n'oublie pas que c'est la saison de la récolte, ou qu'est-ce qu'elle va faire? Tu ne dois pas prendre et liquider entièrement pour toi le champ, tu dois laisser PA, chez nos PA, un petit coin dans le champ. Pour qui? Les anives et la guerre, etc. Tu dois le réserver à qui? Aux pauvres? À l'étranger. Parce que l'étranger n'a pas de nahala non plus d'héritage, etc. Dans d'autres passages, il y a écrit les yatom, Lévi, Almana, l'orphelin, la veuve et le Lévi, etc., etc. Alors tu vois que ce Har Sinaï qui est le préambule de la paracha de Béar, Dieu a parlé du haut du Sinaï. Ah! Alors qu'il n'a pas parlé de ça dans les autres misoires. Ah, je comprends d'où vient maintenant cette puissance de cette loi. C'est vraiment le summum quelque part. C'est l'homme qui fait le don. En plein don de la Torah, toi, Dieu te fait don de la Torah, et toi tu fais don d'un petit coin. Tu fais don de tes gerbes que tu ramasses. Il y en a deux qui tombent par terre. Tu n'as pas le droit d'être radin, de te courber et de les prendre pour toi. Tu les laisses. Les aniv et la gerta azovotam. Aux pauvres et à l'étranger, tu les abandonneras. Shikha, j'ai travaillé mon champ et brusquement j'ai pas récolté là-bas des épis, j'ai pas. Tu as oublié? Tu te rends compte? Même le fait d'oublier quelque chose, un oubli chez nous, c'est faire une mitzvah. C'est exploiter l'oubli pour en faire une mitzvah. T'entends? Moi j'ai oublié. Oh, il n'y a pas que la mémoire qui travaille, il y a aussi même l'oubli. Même entre guillemets les faiblesses et tout, vont être un sujet de bonheur vis-à-vis des couches défavorisées. Vous avez compris? C'est ça que vient de nous enseigner. Que la vie
qui est marqué par le temps. Et ce temps-là, il doit être un bonheur où chaque chose doit apporter son aspect. Le passé a joué son rôle, ne le rejette pas, il a joué son rôle. Et tu dois encore t'élever à travers le présent. Le présent joue son rôle, bien sûr. Mais tu dois encore évoquer et penser à l'avenir, au futur, qui doit jouer un rôle encore supérieur. C'est là le sens du Sfirat HaOmer. C'est là le sens du conte. C'est là le sens de tous ces chiffres 7 qui reviennent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et là, tu redonnes à la Terre sa véritable dimension. Pourquoi? Parce que quand tu laisses cette PA, ce coin du champ, le Leket et la Shekha et tout, tu apprends, comme dit le verset de cette paracha de Bar, qu'est-ce qu'il a dit le bon Dieu? Tu feras ça et ça et ça, qui lit Kola Aretz. Car c'est à moi qu'appartient la Terre. C'est à moi qu'appartient la Terre. Tu as compris? Car c'est à moi qu'appartient la Terre. Et maintenant, tu veux que la Terre, elle soit à toi? Mais je l'ai faite pour toi. Mais sache, je suis le propriétaire de la Terre. Mais je voudrais que tu partages avec moi, quelque part, cette propriété. Et que toi, en tant que propriétaire, tu la donnes aussi à d'autres. Tu as compris? Voilà, l'institution, par exemple, des brachot. Celui qui mange quelque chose qui ne fait pas une bracha, Hachamim, ils disent, Gozel aviv ve'imo, hover ish le'ish mashid. Celui qui vole son père et sa mère, c'est le complice de qui? D'un destructeur. Destructeur du monde. Ça veut dire son père et sa mère. Celui qui vole son père et sa mère, ça veut dire Akadosh Baruch Hu, le Saint des Saints. Et sa mère, ça veut dire la nature. Tout simplement, la Shekhina. Vous rendez compte que la Shekhina, c'est ça. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas, hélas, ceux qui n'ont pas, ceux de nos ancêtres qui n'ont pas respecté les lois de la Shemitah pour la donner, la laisser, la terre elle-même, elle donnera ce qu'elle donnera. Tu ne la travailles pas, elle ne veut pas. Elle ne veut pas, elle aussi. Elle aussi, elle voudrait retrouver quelque part son indépendance et ça, et sa liberté pour refructifier encore beaucoup plus. Parce qu'il est dit là-bas, oui, d'accord, on ne travaille pas la septième année et tout, ok. Mais si vous dites, qu'est-ce qu'on va manger pendant la sixième année? Qu'est-ce qu'on va manger? On a la récolte de la sixième année, qu'est-ce qu'on va manger la septième et la huitième? Alors, qu'est-ce qu'on va manger? Alors la Torah dit, vitzivitit birchati. J'ordonnerai ma bracha à tel point que la sixième année, la terre elle donnera trois fois. Elle t'a donné 10 tonnes. Hein, en général, chaque année, la sixième année, elle te donnera combien? 30 tonnes. Certains, même aujourd'hui, ils sont rares, ont fait l'expérience et ils ont abouti à ce, comment on appelle ça, à ce résultat. Alors on voit effectivement comment cette loi-là vient du Sinaï, véritablement, la source de la vie, la source des principes, et que en vivant ce temps-là, des zmanim et des moadim et tout, et qu'au cœur de ces moadim, il y a celui, la fête qui représente le don de la Torah Shavuot lui-même, comment brusquement on t'enseigne des halakhot concernant la PA, le leket, et la mamash et la shicha. Et là maintenant, c'est le principe de la Kedusha entre le Kohen du début de Hémor, l'homme par excellence, et la terre qui s'unifie, qui sont. Et on retrouve le bonheur de cet ancien temps qu'il y avait progressivement du temps de Adam Arishon. Voilà pourquoi je crois que c'est le Ramban, Rabbi Moshe ben Maimoun, ben Nahman, a dit qu'en vérité, chaque jour de la création du monde équivaut à 1000 ans. Le temps est relatif. Moi, je sais que ça veut dire le premier jour où Dieu a créé la lumière. J'en sais rien, qu'est-ce qu'il s'appelle le premier jour à l'époque. Le jour du bon Dieu, moi, je sais ce que c'est. Hein? Chacun, il a son jour, oui ou non? Ouais. Comment tu peux l'appréhender? Le deuxième jour, le troisième jour. Il te dit, Tresh, David Amelech, Allah, ouais, Shalom, il te dit, tu sais ce que c'est que le jour du bon Dieu, l'Aziz? Qui élève Shanim Be'enecha, qui omet mol qui abor. Car 1000 ans à tes yeux, c'est tout simplement à peine un jour pour le bon Dieu. Tu vois comment l'unité des choses peut se faire. Et voilà pourquoi Ramban, toujours ce même Ramban, il te dit, ah, si c'est ça, si un jour c'est 1000 ans, ça veut dire que depuis la création du monde, on est en quelle année, Rabotaï? 5777.
On est dans le sixième millénaire, oui ou non? Non, Ça veut dire que notre sixième millénaire, 6 000 ans, c'est un jour par rapport à la création du monde. Nous sommes le sixième jour de la création. Et dans quelques années, si Dieu veut, on va arriver tout à fait à 6 000 ans, oui ou non? Et dès qu'on arrive à 6 000 ans, on va atteindre le début du septième millénaire, c'est-à-dire le Shabbat. Vous entendez? Donc ça, c'est proche, Be'ezrat Hashem. Cependant, n'ayez pas peur, combien il manque entre 5777 et 6 000? Combien il manque? 243. 243 années. Alors, moi, je vais attendre 243 ans? Attends! Alors, j'en sais rien, c'est Be'ita. 223. 200. Be'ita ou Ahishena? Aleph. Pet. Mesdames et messieurs, le Shabbat, est-ce que vous le recevez bidjou quand le septième jour il arrive, en temps voulu? C'est quand il rentre le Shabbat officiellement? D'après le soleil, la lune et tout ce que tu veux, les astronomes. Il commence à sortir des étoiles, oui ou non? Et la sortie des étoiles, pour nous, dans notre histoire maintenant, c'est quand? C'est quand tu as fini les 6 000 ans? Non, 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 non. Les hachamis sont dit non, non, non. Tu dois recevoir le Shabbat bien avant. Tu transformes le Hol en Kodesh. Et on reçoit le Shabbat avant, oui ou non? Hein, quelque chose comme 40 minutes avant, je ne sais plus. Hein? Et ça dépend si tu es Rabbi Notam ou pas Rabbi Notam, et si tu es comme Magen Avraham ou pas comme Magen Avraham, peu importe. Donc tu le reçois bien avant. Donc il y a pas mal d'années avant l'année 6000 que déjà on va rentrer dans le Shabbat. Non seulement on rentre dans le Shabbat, mais on transforme les jours de Hol, des dernières minutes du vendredi, en Kodesh. Tu transformes la fin du vendredi en Shabbat Kodesh. Vous entendez? Et donc, cette histoire de la Shemitah, c'est tout simplement ça. 6 années, c'est 6 000 ans. La septième année, c'est le septième millénaire. Et tu retrouves ce chiffre 7 qui revient, qui revient, qui revient, comme ça, pour atteindre, Be'ezrat Hashem, ce bonheur que nous attendons tous, afin de donner, et afin de faire en sorte que la terre et la nature et tout, elle aussi, parce qu'elle ne demande que ça, pas tant qu'elle ne donne pas aujourd'hui, l'homme il doit suer, doit. Si tu ne travailles pas la terre, eh ben, elle va t'engloutir, elle va t'enterrer. Laisse un jardin, ne le travaille pas pendant. Tu vas voir les racines sortir, les épines, les épines et les ronces qui vont sortir et tout. Elle est capable avec ses racines et toute la terre de détruire des murs, de les faire tomber, de casser une maison, etc. etc. Dans l'état où elle n'est pas bien actuellement, vous comprenez? Alors il faut qu'une fois tous les 7 ans, elle va voir le médecin, qu'elle aille voir quelqu'un qui lui apporte un peu de joie. C'est le juif qui fait la Shemitah. Vous avez compris? C'est le juif qui fait la Shemitah. Et à partir de ce moment-là, elle ne donnera plus ni des ronces, ni des épines, mais elle te donnera des beaux costumes, des belles robes, des millefeuilles, et des religieuses, et des religieuses. Voilà pourquoi elle nous appartient, Moraï Verabotaï, et là je conclue. Eh bien, de continuer d'étudier la Torah, de nous nourrir avec elle. Pourquoi? Comme il est dit, Naase Benishma. D'ailleurs, je n'ai pas parlé même pas de la paracha et de la deuxième, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais d'ailleurs, ça se voit bien. Étant donné qu'on n'a pas respecté pendant un certain nombre d'années les Shemitot, la paracha de Bechukota, elle vient avec toi, c'est-à-dire les malédictions et tout, à cause de la Shemitah. La terre, elle réclamera quoi? Toutes les Shemitot qu'on n'a pas fait. Tu as vu qu'elle a besoin ou pas de ces Shemitot? Tu as vu qu'elle a besoin? Fichez-moi la paix un peu. Laissez-moi, comme une femme qui est enceinte, excusez-moi, c'est comme une femme qui est enceinte, la terre, elle est enceinte. Laissez-moi tranquille. Je vais donner maintenant un beau bébé. Je vais vous donner les meilleurs fruits que j'ai en moi et tout. C'est comme ça. Naase Venishma. Elle, la terre aussi. Et c'est lié, et je conclue. Ça veut dire Venishma. Si tu changes les lettres du mot Venishma, quand tu fais les mitzvot et tout, mais pour comprendre la Torah, le fond de la Torah, c'est quoi Venishma? Change les lettres un peu toi là-bas. Non.
Chaman. Non. Chamanou, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Autre chose, oui. Shomea. Autre chose, Shomea, ça, il se rapproche. Shimon. Rabbi Shimon, Bar Yochai. Hachamim, Izzaharou, Bedibreche. Hachamim, Izzaharou. Mettez le Zohar dans vos paroles. Naase Benishma, c'est Rabbi Shimon. Je conclue en vous racontant une petite histoire. Elle n'est pas de lui, mais ça le représente un peu. De qui je l'ai entendu. C'est l'histoire d'un homme. Il est là-haut, il a quitté ce monde. Et il n'a rien foutu de sa vie. Je dis en tant que juif, Mesquine. Il monte et puis il passe devant le tribunal suprême, la Beddin chez les Mala. Et alors les Malachim disent, asseyez-vous monsieur, d'accord. Dites-moi, vous avez fait les mitzvot? Quelle mitzvot? Je sais pas, vous avez fait le Shabbat? Je suis dans le Shabbat. Ouais, je comprends rien, moi je ne peux pas. Tfilin, la tzedaka, attends, t'as les re'acha, les lois sociales, les lois morales, les lois religieuses, les lois spirituelles, les lois rituelles, rien. Non, j'ai rien fait. Comment tu fais rien? Il y a au moins une chose que tu dois savoir, un homme qui te dit qu'il a été prisonnier et tout, qu'il n'a rien fait, je comprends. Le bon Dieu, il a pitié, il est miséricordieux à son égard. Mais toi, tu es un homme libre et tout. Il y a au moins une chose, tu sais que l'homme, comment il s'appelle en hébreu? Chez les autres, il s'appelle un roseau pensant, oui ou non? Chez nous, ce n'est pas seulement un roseau pensant, c'est un roseau parlant, un médaber et un type qui doit parler et étudier. Et lire au moins, lire. On te demande rien que de lire, d'être au courant que le bon Dieu, il a envoyé un message, oui ou non? Il t'envoie une lettre, ça s'appelle la Torah, tu ne l'as pas lue? Certainement, il a dû dire autre chose, tu comprends? Il a dû dire autre chose. Parce que maintenant, oui, il a dû lire peut-être son iPhone, je ne veux pas les critiquer, attention, Hasbe Shalom. Ce sont des outils importants et tout, qui nous permettent de bien régler notre vie et tout. Ce que je veux dire par là, par rapport au Shabbat, ce qu'on a besoin pendant les 6 jours, du iPhone, du smartphone, de l'internet, de la voiture, de tout ça. Oui ou non? Oui. Pour être au courant, être en relation. Le Shabbat, il arrive. Comment ça se fait? Il n'y a ni Facebook, ni WhatsApp, ni WhatsApp. Qu'est-ce qu'il y a? Ineni omed ahar kotlenu mesis mina harakin mesgia mina halonot. Qui c'est que tu as comme relation? Le seul internet pendant le Shabbat que tu as, il est là derrière le mur, comme dit Shir HaShirim, le cantique des cantiques du roi Salomon. Il est là derrière le mur, derrière l'écran qui? L'écran pas de la télévision, je sais pas quoi seulement, pendant le Shabbat. Mesis mina harakin, il te regarde derrière les rayons les rayures de la fenêtre, hein? Metzis mina halonot, est derrière les fenêtres, il te regarde et il te parle. Voilà mon Facebook du Shabbat. C'est que je vois maintenant autre chose, je vois Kadosh Baruch Hu qui te parle et qui nous parle, etc., etc. Dis-moi toi, lire, t'as pas fait. T'as pas fait les mitzvot, t'as pas fait, ok. Mais tu dois en être conscient que ça existe. Naase venishma, et que nous lisons, que nous comprenons, comme il dit Rabbi Shimon. Il est là-haut dans le ciel. Alors le tribunal se réunit. Quelle punition on va donner à ce bonhomme? Qu'il n'a pas fait le Shabbat, qu'il n'a pas fait les téfilines, qu'il n'a pas fait ça, qu'il n'a pas fait ça. Il ne savait pas. On ne peut pas le punir, il ne savait pas, oui ou non? On ne peut pas, c'est ça la loi. Chez nous, c'est comme ça. Que Dieu préserve, on a nos frères qui étaient pendant 70 ans derrière le rideau de fer. Ils sont venus, ils ne savaient pas. On ne va pas les juger, hein? Ils ne savaient pas. Kadosh Baruch Hu, il ne va pas les punir pour ça. Il ne va pas les punir. Non, c'est quand on court. Ce qu'ils ont vécu et tout, les pauvres. Toi non plus, on ne te punit pas parce que tu n'as pas fait. Mais il y a une chose quand même, il faut qu'on te le dise. Là où tu as eu tort, c'est que tu as refusé de lire et de lire le message. De lire. On va te punir. Quelle punition, mesdames et messieurs, les lois et les anges et tout. Nous allons lui donner 5 minutes dans le Gehinam, dans l'enfer. C'est beaucoup ou c'est peu? C'est... Mais c'est rien par rapport à, bon, je ne veux pas vous dire, à d'autres qu'on sait qu'ils vont griller pendant je ne sais pas combien de temps. Bon, le type, il accepte de gré ou de force. Il va dans le Guéhinnam, il est là-bas. Naturellement, il a sa montre avec lui, elle ne grille pas.
Et regarde. Les 5 minutes sont passées. Elles sont passées. Et il dit, oh, il va vers le portique. Le chômeur, le gardien qui est à la porte de l'enfer, du Guénan, monsieur Leroy, ouvrez-moi la porte. Il dit, quoi, pardon? Il dit, ouvrez-moi la porte. Il lui dit, pourquoi je vous ouvre? Il lui dit, mais attendez, je vous ai bien donné le papier où le tribunal céleste, il a écrit, veuillez recevoir ce monsieur dans l'enfer uniquement pendant 5 minutes. Alors, vous l'avez ou pas? Je vous l'ai donné. Attendez, qu'est-ce que vous m'avez... Il prend le papier, il dit, vous voyez qui a écrit? Alors, le gardien de l'enfer lui dit, oui, il a écrit, mais moi, je ne sais pas lire. Vous retournez là où vous êtes. Mida keneged mida. Mida keneged mida. Vous retournez là où vous êtes. Oh ouais, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas ça, etc., etc. Et Ratson, que nous soyons tous bénéficiaires des mérites de nos maîtres les plus anciens dans la chaîne de toute la tradition depuis Moshe Kibel Torah Bissinaï jusqu'à Rabbi Shimon, Rabbi Meir, jusqu'à nos maîtres actuels et tout, pour que nous puissions vivre dans cette terre d'Israël qui va nous offrir très prochainement sa Shemitah libératrice. Amen.